I guess in 4 or 5 years, the new generation's music will be. On va à John Copping, hein. Je veux les conférences. Tranquille, hein. Je suis tout seul là pour l'instant, on rejoint l'équipe en quelques heures. Du voyage matin. Ça va être long. Il fait que voyager en ce moment, c'est long. C'est un peu trop long. Oui. Je suis le roi pour mon plan. C'est parti pour encore 2 heures d'avion. On va rejoindre l'équipe dans 2 heures. Même plus, 3 heures après on prend le bus. Donc on se trouve en Suède. Le mec le plus malchanceux du monde. On va attendre ma valise, hein, toujours en dernier. Je suis malchanceux, valise est perdue. Bon, finalement, encore une fois, elle vient de drop en toute dernière, 15 minutes avant. On est parti pour quoi là? On va aller jusqu'à la ville pour aller à l'hôtel, rejoindre les autres. Et là on a 1h30 de route. Let's go. Quoi? Ça va et vous? Tranquille. Bonne route. Tu t'es terminé de masser? Hein? Tu t'es terminé de masser, j'ai pensé à toi. Sérieux? C'est ça que j'avais avant. Wesh Lorient. Comment tu vas? Ça va bien? Tranquille? Ça se passe? Ça va quoi? Ça va, mais non, putain! Ça va, Brian? Bonjour! Là, vous avez un câlin là! Hey, il m'a pas dit bonjour! Ça va et toi? Pourquoi tu dis pas bonjour à Mathéo? Tu vois que tu m'avais pas vu quand même! Mais si, je t'ai vu! Ça va ou quoi? Ça va et toi? Ça va! Tu nous as manqué, je crois! Vous m'avez manqué également! C'est dans ça ou on est dans un dépôt là? Elle est où la practice room? Là, on va juste sauter. Oh, mais là, pas le con. Numéro 10. Numéro 10, ma gueule. Numéro 10, ma gueule. Wesh, les gars. Wesh, man. Wesh, man. Un contact. New York. Let's go. Oh, allez, on est un des plus sains. Allez, 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 j'ai couru comme un. Tu ouvres le portable? Je vais taper des terres à 10h. J'ai vu ton message, je vais. Ça va? Ah, t'as vu, on s'est foiré en place. Comment tu vas? Ça va? Hola hermano. Ça va? Ça Mac? C'est du quoi là? Ah frère, putain, t'as rien, tu connais. J'ai un niveau en anglais assez, assez élevé, donc c'est moi qui m'en attache. Je vais pas mettre. Là, on va faire une frag contre les Bad News Eagles. Okay. Autant dire que on a choisi du lourd pour se chauffer. Donc là, c'est pour commencer, pour se mettre dans le bain direct. Ils nous envoient des patates. Donc là, il y a un gros combat qui va se préparer sur le serveur. Et juste un petit truc, hein. C'est plus l'heure de d'essayer des choses. Hein. Un peu en high-tech,
que tu peux faire dans moi. Vas-y, super. Ah, le fait. On va leur casser le cul. Une journée de terminée, on a quand même eu le temps de faire trois petites games aujourd'hui. On sort du Media Day, on a quand même une game qui a été très bonne, une game plutôt correcte. On a fait une game qui s'est un peu plus mal passée. On essaie de mettre les choses bien en place pour demain. On va jouer un match assez serré, mais on devrait l'emporter. Les ressentis sont bons ici en Suède. On espère se qualifier pour la Pro League. Et puis, c'est également ma première session avec l'équipe, étant donné que j'ai joué celui de Dubaï. Et on est en full confiance ici, maintenant qu'on est au complet. Et du coup, on vient de manger au Bécard là. Le ref Matteo, il nous a dit qu'on avait 10 minutes de marche pour y aller. Et on a dû marcher pendant au moins 40 minutes. Maintenant, on se tape 40 minutes retour. Ça casse les couilles. On va pas se mytho. Mais tranquille, là, il y en a certains, ils vont retourner à la LAN, comme moi. On va s'échauffer pour demain. Et d'autres, ils vont retourner à l'hôtel pour chill. Parce qu'il y a des fatigués de la vie ici. Et voilà. On est en train de frauder le bus. On est en train de frauder le bus dans un petit village perdu en Suède. Et s'il y a un contrôleur, on a payé 120 euros par tête. Il y a le frérot Matteo qui va nous mettre bien. Oui. On est 4 mecs ou 5 à pas avoir de carte bancaire sur soi déjà. J'ai pas la mienne non plus, tout le monde, comme par hasard. Du coup, on croise les doigts. Comment ça va là, l'équipe? Ça va, ça se passe? Calme. L'Armano, tu vas bien? Ça va. Ça gaz, gros beau gosse? Ça va. Les gars, on est jeudi. Aujourd'hui, on joue. Jour de match. On va manger avec toute l'équipe. Et voilà, il faudra être chaud et tuer les mecs en face. À la route Santalé. Ça va, Théo? Ça va, tranquille. Salut, ça va? C'était long. Bon, alors du coup, on a été chercher les joueurs à la gare. On a été chercher Tyson, certains membres de sa famille et trois joueurs Moyen-Orient et Léon Dilex aussi, un peu plus tôt dans la journée. Là, on a pu récupérer tous les nouveaux maillots avec le nouveau sponsor. Et là, on va directement vers la LAN, rejoindre les joueurs CSGO, leur apporter les nouveaux maillots avec le nouveau sponsor aussi, vu que c'est important. Et voilà, on va jouer le match directement à 19h30 et il est 18h30. Il est beau ce maillot. Il est mignon, tu trouves pas? Ah, c'est pas mal. Berno, Prof Kyo. Hein? Prof Kyo. Et Vertigo, j'espère que vous allez tout réviser parce que sinon ça va chier. Il faudra juste que tu sois pas d'avis sur ce mec là. Il faut pas qu'il te bloque. Il faut pas qu'il te bloque. À partir du moment où tu décides de faire ton move, il n'y a pas de problème. Il faut juste que si tu reviens trop positionné, il faut que tu sois parano. Et si t'es parano, normalement ça passe. Les gars, je refais un petit rappel. Donc ils commencent, eux ils vont commencer une nuxité. Brace, c'est le leader. Pivot G. Ok. PZ, c'est la WAP. Et un T, c'est Apogdud et Rofluku, un T, d'accord. Et Malta, c'est le mec ramp. Vous avez sur TS, je vous ai mis les pots sur TeamSpeak, si vous voulez le revoir. Il faut que ça soit important parce que, rappelez-vous tous nos principes et nos protocoles. Si on spot la WAP agressif externe, si on le spot entrée B1, on peut coller une réaction sur la rampe. Vous vous rappelez de ça? Rappelez-vous tous ces principes-là, les principes aussi Astralis. On fait un kill ramp très rapide, on peut très bien proposer à Brad de repartir à 4 essais très rapidement. Allez, venez les mecs. T'es un bon, toi. Vous avez... Moi, je balance mon truc à moi. Vous répétez juste. Time to win. Who? Avec ça. Ça, avec ça, j'ai été champion de France. Dose. Ouais, on est déjà champion de France, mais toutes mes plus belles histoires, elles ont été créées avec ce truc-là. Donc je vous le dis, ça me tient à cœur et c'est avec vous que j'ai envie de le faire. Ça marche? What time is it? Time to win! Boom!
Allez les mecs. Encore deux grandes pertes. Les deux là, les deux là, les deux là. Laisse-moi jouer putain. Je vais passer les pieds, je joue. Mais c'est pour rien de jouer, il joue. Nice speed. Double ça. Nice. Belle entame de l'âne. Bien joué les mecs. Григорий ясно, чтобы не погасло. Просто закинул. Григорий, он горит. Пока не Вадим. Вигилан, ты как? Ферму. Comme des bonhommes, on se suit, on se trade. Вот выход под установку бомбы, попытался застыть спину, не удается. И теперь будет Супер, ты убежит. Адвигает, поправлять команду. То, что здесь будет размен своими пиками, и карты у нас будет полноценно. Было три, все же хотелось бы, чтобы погостили, как говорится, подольше. И сразу. Ну, надо уже стиль порт, ребят. Я хочу. Allez. Bien joué. Première map, hein. On a la deuxième. Allez, mon kéké. Bien joué, les gars. Не отлетать там. Поддержится на этом турнире, тем лучше. Я не питаю никаких надежд по поводу выхода, конечно же, если даже и выйдут, то будет небольшой план. Команда в штатском сезоне EPL, у нас четвертое открытие базы Б. Ох, ох, как не вовремя, вроде как смог, развеялся, а тут еще и флэш, какая-то залетела от тиммейта. Супер, рега, bien joué. Супер, мой сейчас. Allez, go, les mecs. Супер, voilà, tape-toi, c'est bien. Ну, пока. Легкий трустой, просто выбить. И отхватываем тоже везде. Ну, нет. En fait, il y a un bug quand je suis avec Jason en 2v5. Comme un contrat impérial là. Bien. C'est bien, ce rond. Il est bon. Super les mecs, bravo. Comment s'est déroulé ce match? Bah écoute, il s'est très bien déroulé. On leur a mis 2-0. On a vraiment été inquiété, on avait préparé un plan de jeu quand même pour les jouer et on l'a respecté, puis ça s'est bien passé donc c'est bien, ça fait une bonne entame du tournoi pour l'équipe pour se mettre en confiance, il n'y a rien de tel donc c'est bien, on avait l'objectif de ne pas les laisser mettre plus de 10 rounds. Yes, sir. So, the feeling behind my eyes, you stood out because you were in red. Man, against my intentions, I let you turn me violent. Assalamu alaikum, ana Phantom, laab muhtaraf fi Freak Falcons. Assalamu alaikum, ana Spy, laab Fortnite muhtaraf fi Freak Falcons. وانا سبيدي لاعب محترف فريق فالكن. How did you feel to be in Sweden like to play one of the most important tournaments؟ والله مرة متحمس يوم سمعت اني بطلع السويد وإلى الآن صراحة رحلة جيدة وإن شاء الله بنبدع في البطولة. صراحة متحمس للبطولة مرة، الرحلة كانت متعبة إلى الآن لكن أول ما وصلنا ارتحنا وإن شاء الله نفوز. والله إن شاء الله نرفع راس الميدل إيست، هذا اللي أتمنى. How was the travel to come in Sweden from Saudi؟ صراحة كانت متعبة شوي، يمكن 15 ساعة، بس الحمد لله كانت تستاهل وإن شاء الله بنبدع في البطولة. الرحلة كانت متعبة صراحة، أول مرة أروح رحلة بعدد الساعات هذا، لكن تسوى إن شاء الله. صدق ما حسيت فيها إني كنت نايم، وصلنا السويد وإن شاء الله نبدع في الدريم. Are you confident to play the line؟ أنا صراحة واثق من نفسي إن شاء الله بجي مركز في البطولة. عن نفسي صراحة متوتر شوي من الأوبن بس. لكن متأكد تأهلت الفاين إني راح أبدع مرة إن شاء الله. إن شاء الله سهلات نجيب توبان فيه. حاب أشكر فالكنز على الفرصة الجميلة إن أقدر ألعب البطولة في السويد وإن شاء الله نجيب مركز على رأسهم. صراحة محظوظ بفريق فالكنز لأنهم أعطوني الفرصة هذه، ما أتوقع فريق ثاني بيعطيني نفس الفرصة وإن شاء الله إني أكون قد ثقتهم. شكرا فالكنز إن شاء الله أكون قد ثقتكم. Hello, how are you? Good.
So bad. So bad. It was so bad. Actually, it was so bad. We're gonna say this to Mu. Yeah, it's like 16 hours. Yes. How are you? How is flight? Oh, so bad. What's up, bro? So bad, man. Actually. How are you? How are you? No, Andy. Nice to see you again, man. My bro, how are you? Ah, good bro. هلا بالشيخ هلا بدو ام دول هاي برو كيف حالك الحمد لله تبارك والله الحمد لله الحمد لله على السلامه الشيخ كيف الحال طيب والله الحمد لله طيب يا رب اي هل هلا بالشيخ كيف حالك طيب كيف الحال كيف الرحله طيب اخواني اهم شيء صوت السلامه حرك Les gars, là il est 9h30, un truc comme ça, on attend le bus pour aller à la DreamHack. On va tout donner, hein. Là j'ai pris l'oreiller, t'es entre deux games, ça fait beaucoup de sieste. Et voilà, là on essaie à toute la lumière, et voilà. Alors là du coup, il est 15h, ils viennent de commencer la DreamHack. Et on espère que tout le monde va pouvoir se qualifier assez rapidement. Il y a 3 hits, on espère que tout le monde va se qualifier du premier coup, mais bon, on verra bien. Struggling to deal with Macca as that trade has come through well enough for the Falcons side as he responds to it. And still, they're not taking it down. They get it real close, and Macca finally overwhelms it. He's also low himself for HP. You're baiting Hadji as well. Where's this Molotov going to be put? They're not going to clear Hadji. And he's going to go for the swing. Gets 2 kills for it. Flitting Norbert down. Macca also swings to get a double of his own right. And the move, especially Keel just holding back from Flit, who could still find all the picks he needs to get. It's 27 to end off the map up indeed. There's 26 and there it is. 16-6. Decimation. On n'ose pas aller chercher les duels. Tout ça les mecs, vous faites un égal, c'est marqué stress, pression. C'est la vérité, comment ça s'enlève? Mais putain, on va pas se faire. Vous allez pas vous faire buter parce qu'on perd un match. On s'en bat les couilles. C'est un sport et dans ce sport-là, on l'aime, c'est notre passion. Donc on doit prendre du plaisir les mecs, d'accord? On doit prendre du. Lâchez-vous. Lâchez-vous. Going to be a bit more of a stomper, possibly even more of a stomper than it was over on that first map. Probably they're still going to commit towards the A site. Python stands and fights but loses his life as this Hadji to the hands of Norbkin side. Oh disaster! Oh disaster! Riders to just operate on the only other piece of map control that they had. Sorry for the Falcons, one for one trades as Norbert and James try and back. Keels and Flit go back and forth the same. Keels. He could provide a lifeline, he drops. Moment, turned away, turns back, spray through. Get completely wrong for the Falcons here. Kick goes on for the ace. He wants it so badly. A good flick to the head, but that's all that Kyojin will get to it. Finds Hadji and Kyojin in the 1v5 clutch to bring it back together for the Falcons. He doesn't even have the bomb, and he won't even have the charge. There it is for the Outsiders. Well, yeah, on était... Face à Outsider, on n'a pas réussi à les battre pour se qualifier directement. Du coup, on tombe au loser bracket. Et puis, de toute façon, c'est aujourd'hui qu'il va falloir tout donner. De toute façon, il n'y a pas le choix. Hein.
4 of ESL Pro League Conference. Today is a make it or break. C'est tout. Pas trop excité, pas trop endormi. J'ai envie de mettre des patates, les mecs. Hey. Un match de la Pro League, les gars. What time is this? What time is this? Time to win. Into the action here on Inferno. This is Kawada's map picks. They are starting on the T side. Unless Kiosk makes the noise, they might have heard that, but there's a lot going on here at Banana. That's an opportunity now to find this opening kill and then get away. There it is. He gets the kill. The rotations are coming through, but Kiosk, he's shutting down this Banana assault. Kills his position on towards Maka and Kala. Oh, he could have caught them with the knife out, but Kiosk, he's going to actually win out the gunfight. That's in this 1v2 with 30 seconds on the clock and with the AWP holding the line, Kiosk 4 in the round. Really well played from him. That's the A side completely open. All three players over here towards me, and Python sprays down two of them. Blink and he admits that it is just Stefan alone, and Python shuts him down as well. Finn comes through. All the boots, the flash is perfect for the spray. Ashley manages to find two. Haji playing anti-flash, swings out for the trades. Peter's trying to get something here with the MP9. Making his way through. Jason! Yeah. Fais ton beau sourire à la caméra. Beau sourire à la caméra, Delta. Fais beau sourire. Beau sourire à la caméra. Et cette caméra. Comment, mais pensez là, faut déjà tout de suite se mettre en tête notre jeu. D'accord? Il faut que notre jeu soit fluide. On commence donc dos de terreau. Ça veut dire les prises gèrent en deux temps. On se rappelle. Long peering on in, HS about to be tested, it's close range with the dual Berettas, but not to be. Crystal drops a defensive smoke, but Maka, he capitalizes upon it. Oh, that is dirty with the P250, and that keeps his player at lock collar. He has to contest it, and Maka removes him. Matty now, he's the only one nearby, the rotation coming through, but with the bomb planted, this 2v4 retake is incredibly difficult for them to pull off. Haji looking for the contact here, Kyojin even swinging over, Matty is good for the kill, but Maka's sitting back here, just popping them down, three in the round for him. Too many players for Kawana to deal with, they have the threat of Maka over towards... About to work their way in, Stefan with the USP, dinking, but not... Active rounds surely about to be formed, especially with Maka continuing... In his good form, lovely tap. Pushed in towards upper tunnels, and meanwhile, Python is being flushed in. It's attack on all angles for the defense. And again, he collected the Kyojin, and he is coming in fast. Time still to work with. Flashbangs do not need to be pulled. And they're doubling up here, though. Has to find both of these kills. That's the first presented to him. He's not going to be ready for the second player. Matty, he just has to tuck in. It's planted for him. Haji, there's just no way he clears this. Matty, the clock is in his favor. He can poke up, he can run. Haji gets the kill, but I just don't think there's going to be time. I really don't think there will be. It's very close. Hang on, has he got it? Oh my God, he does it. He stabs out, getting the crowd excited. An incredible clutch for Haji. We really didn't think it was possible. Matty reveals himself 0.1 of a minute. He can stay undetected and find a kill here. The 1D does damage on the cover as well. A second time. Là, on sait, grâce à vous, on se donne une deuxième chance de bien réagir pour demain. Donc, aujourd'hui, je veux juste qu'on mange ensemble. Je veux passer un peu de temps avec vous. Je veux que vous passiez du temps ensemble. Et après, vous êtes libre. Vous pouvez faire ce que vous voulez, je ne vous oblige à rien. Mais il y a des moments qui sont importants pour nous. What the? So competitive. Everyone do like this. Sad picture. Are you gonna tweet it? Bad day for fun.